Ça s'est passé chez Koé. Claire, en revanche, veut tester son mec. Et Nora, tu as 3 minutes. Ok, ça marche, top 3. 3 minutes okay. Pour tester Manu. Est-ce qu'elle a d'accord. Le droit de tout utiliser, Claire? Oui. Elle m'a briefé oui, avant. Oui, je veux vraiment être fixée. D'accord. Et Nora, 3 minutes okay. Pour tester la fidélité de Manu. Miano? Oui, Manu. Oui. Bonsoir, je... Bah, voilà, je m'appelle Julie. Oui. Et je... Je suis un peu gênée. J'ai chopé ton numéro via un pote que je connais qui bosse dans la même piscine que toi. Oui. Et en fait... François Mitterrand? Ouais, tout à fait. Ouais. À côté de la bibliothèque, là. Et... je suis désolée, hein, mais voilà, moi je suis assez cash et en fait je suis allée à ton cours d'aquagym le mercredi dernier, j'ai trop flashé sur toi en fait. Voilà, je suis désolée. Tu m'as pas bien vue parce que... Ouais, c'est un peu chaud là. C'est une blague ou c'est... Beaucoup c'est une blague. Bah excuse-moi, non mais déjà je prends mon courage à deux mains pour t'appeler, donc s'il te plaît. Ouais, et comment tu dis, tu t'appelles, pardon? Moi je m'appelle Julie. Julie, ouais. Ouais. Ok. Et je me rappelle pas. Non, mais parce que j'étais, enfin, tu vois, j'ai assisté un peu de loin. Je voulais voir si je voulais m'inscrire au cours ouais. Et tout. Et bah voilà, je te le dis, je crois que je vais m'inscrire, clairement. Ah bah c'est cool. Mais moi là, je suis assez franche et je t'ai trouvé sublime avec tes yeux verts là, ton canon. C'est gentil. Bah, je t'en prie. Et du coup, bah déjà, je voudrais savoir si t'es célibataire. Fou là, tu me prends à froid là. Est-ce que c'est toi qui avais un maillot de bain en rouge l'autre enfin je me rappelle d'une fille blonde il y a quelques jours qui était là qui m'a regardé, c'est vrai que je l'ai regardé aussi qui était assez jolie. Ouais, je crois bien que c'est moi. D'accord. OK. Oui, OK. Donc je me rappelle, ouais. Tu te souviens, d'accord. Bon, après voilà, je suis cas, je voudrais vraiment savoir si tu es célibataire ou pas, si tu as une meuf. Bah disons que c'est un peu compliqué, j'ai une copine, ouais, mais c'est pas hyper compliqué. Sérieux, quoi, c'est ça? Ouais, c'est en gros, c'est pas très sérieux, non, c'est un peu compliqué, ça, en fait, ça me prend la tête depuis quelques semaines, et voilà, non, je suis pas... Ouais, bah ouais, je comprends, ouais, d'accord, donc pas cool, quoi. Et bah, enfin, pas cool plutôt, enfin, cool pour moi, mais elle... Du coup, tu veux qu'on se voit quand, en fait enfin... Ben, je sais pas, moi, je sais pas, demain soir, par exemple, si tu veux. Je sais pas si t'es OP. En tout cas, je sais pas comment t'es. je t'ai vu juste à la piscine, mais t'as une voix vraiment charmante. Hein. Ben, c'est gentil, je te remercie. Ben, attends, ouais, je vais te passer quelqu'un. Allô? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu veux prendre un numéro? Comment tu peux... Mais putain, c'est quoi ce délire? Attendez, peut-être pas recommencer, c'est cette rubrique. Mon Dieu. J'assume pas. Là, au téléphone, c'est clair. Pourquoi tu fais ça? Et Nora, je te laisse. Pourquoi tu fais ça? On doit prendre un appart ensemble, hein. Je vais prendre une clope, je reviens. Moi, je fais quoi? Je peux le défoncer ou pas? Reste là, je vais changer une roue de voiture. Claire, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Je suis en scooter, mais je vais changer une roue. Ferme-la. Ma chérie, calme-toi, ma puce, calme-toi. C'est pas grave. C'est pas grave, ma belle. Maintenant, tu sais. Maintenant, c'est pas grave, ma puce. Allô? Oui. Moi non plus, j'assume pas. Attends, bouge pas. C'est des foules. Quoi ces conneries, putain? Raconte-moi là, t'es avec qui là? Ça pulse pas ce truc là. Non mais non, il faut rester avec Claire là. Faut pas lâcher Claire. Claire, alors, respire ma puce. Respire. Mon bébé, t'as raison. Je crois que la Vox Populi a parlé. Mais traite pas de connasse quand même. Je suis pas une vraie connasse, Claire. Le cerveau, t'as une bite à la place du cœur. C'est pas faux. Non, attendez, je voudrais. Bon, je vais changer ma voiture. Prends ça des.
Est-ce que je pourrais arriver comme un médiateur au milieu de cette histoire et prendre Pascal le grand frère s'il te plaît prendre la défense deux secondes de ce garçon. Mais on est où là? Attendez Manu, il n'a pas mis 3 minutes avant de me dire ouais. Hein. Qui n'a pas non plus dit des choses immondes. Il a juste dit que c'était un peu honteux. Non, il a juste dit que c'était pas sérieux avec sa meuf. Pas sérieux. Ils sont censés habiter ensemble. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Si c'est pas sérieux, pourquoi tu vas prendre un appart avec moi, putain, espèce de coup de tu peux aller changer la roue de bagnole avec toi. Je vais y aller aussi. Vous avez oublié le cric. Claire, ma chérie, au moins maintenant, tu sais. Il a raccroché. Je crois que j'ai changé les roues de bagnole de toute la rue. Voilà. Oh là là, Claire, ma puce, je suis désolée. Mais c'était évident. Il dit que c'est pas sérieux. Claire, ma puce, t'es jeune, t'es belle. On va prendre un appart ensemble. Il l'a dit. Il dit que c'est pas sérieux. Ma puce, t'es belle, t'es jeune. C'est pas ce qu'il voulait dire. C'est l'histoire. Il disait, c'est pas sérieux cette demande. Ouais. Bon, demain.